on fait des lampes, c'est vrai, Marinette. Ouais. On en fait des lampes à cristaux de sel, effectivement, qui dégagent aussi des énergies. Mais c'est plus pour purifier. Voilà, c'est celui-là, les lampes, c'est celui-là. Oui, dualite. D'accord. Anti-inflammatoire, entre autres, mais il y a d'autres propriétés. Et effectivement, et la malachite, et on le met plutôt sur le chakra du cœur et ça calme, entre autres. Celle-ci, elle vient du Zaïre. J'en ai une roulée, elle vient du Congo. Alors effectivement, à des moments donnés, il y a des appellations aussi, dans les appellations nominatives des cristaux, pour une personne, on appelle d'une certaine façon, pour d'autres, on appelle d'une autre façon. Des fois, on peut avoir plusieurs appellations pour le même cristal. Donc on a un problème de vocabulaire, on ne se le cache pas. C'est-à-dire même au niveau mondial, vous avez des appellations ou des écritures de certains cristaux. Des fois vous dites, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que ce cristal c'est bien ça? Voilà. Bon, ça n'empêche pas qu'il y a des gens qui font une analyse microscopique ou une analyse chimique pour détecter un cristal qu'ils ne connaissent peut-être, entre guillemets, soit pas, soit ils veulent avoir la confirmation. On râpe un peu de la pierre, on le met au microscope, on peut voir une analyse microscopique. Avec une analyse chimique, on met du feu, un bec de gaz, et on fait brûler. Il doit avoir une odeur particulière pour chaque cristal, où il peut avoir une réaction du cristal en lui-même. Là, c'est l'analyse chimique. Alors, qu'est-ce qui m'est sorti là? Ah, je l'aime bien, c'est un morion. Le morion, Marco, en a besoin, c'est vrai. Il essaye de terminer ce qu'il commence. C'est vrai que personnellement, je fais un travail particulier avec le morion, c'est-à-dire de ce que je commence, le terminer. Mais j'ai mis très longtemps à le mettre en pratique. Alors là, c'est un petit éclat de morion. Parce que ça s'écrit comment ? M-O-R-I-O-N. Voilà, Gisèle. Ah, mais j'ai besoin parce que sinon j'aurais... Il n'y a pas de souci, Gisèle, du morion. Alors, ce qu'on commence, on peut le terminer. C'est un peu sa particularité. Ouais. Ça va, ça vous intéresse un peu? C'est la volonté. Ça, c'est pas tout à fait la volonté. Ça, dans un développement personnel, ça aide à aller dans une voie VOIE par rapport à ses propriétés au cristal lui-même. Il aide la personne. Voilà. Qu'il apporte ou qu'il l'utilise. On peut les mettre dans les poches, on peut les mettre en parure énergétique, mais on peut les boire aussi, on peut faire des élixirs. Par exemple, vous mettez dans une coupe en verre de cristal, vous mettez par exemple ici, je vous propose une angélite. Alors l'angélite, c'est vrai que c'est plus délicat, mais on peut mettre de l'eau déminéralisée, du fer à repasser, on en met pas 3 litres, on en met 2 doigts, et on fait tremper toute la nuit 2 ou 3 doigts de l'eau déminéralisée, et avec le cristal, par exemple ici de l'angélite, pour faire un travail par rapport à ce cristal en élixir. Alors attention, c'est comme les champignons, vous avez des cristaux, mais l'important c'est la dose. Vous avez des cristaux, comme par exemple je pense du réalgar, qui est de l'arsenic, qui est un poison. C'est une pierre. Vous savez que Napoléon, quand il la main sur le ventre, il avait le cancer de l'estomac, il se soignait avec un médicament à base d'arsenic, il est mort lui-même, il s'est empoisonné lui-même, entre guillemets. C'est la version la plus plausible en ce moment. Bon, là, ça me vient à l'esprit par rapport au réalgar, mais pour vous dire qu'il y a des cristaux, vous ne pouvez pas en mettre 50 ans sur vous. Normalement, une séance de lithothérapie, 20 minutes. C'est très fort. Est-ce que certains minéraux, c'est aussi efficace quand on met dans la poche que contre la peau? Oui. Alors, effectivement, on peut faire une démarche plus Marinette par rapport à un moment donné, à un endroit précis. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Pour en revenir, alors c'est l'angélite. L'angélite, c'est plus par rapport à l'angéologie, un travail plus de démarche de personnel par rapport aux anges, notamment, je peux penser aux anges de la Kabbale, aux 72 anges, la Kabbale étant l'explication mystique de la création. Et on peut faire une démarche plus particulière sur certains anges grâce, pourquoi pas, à l'angélite, via la lithothérapie.
petit cristal de roche, un petit cristal de roche, effectivement, ça donne de l'énergie. Alors, effectivement, ça donne de l'énergie, mais à un moment donné, on peut en avoir besoin. Mais à un moment donné, on peut ne pas en avoir besoin. Donc, à nous de choisir le bon cristal à un bon moment. Par exemple, si vous êtes trop énervé ou trop excité, vous n'allez pas vous donner de l'énergie. C'est à ce moment-là que vous demandez à un cristal, je pense par exemple au Boji, qui vont sortir tout à l'heure, je suppose, non, au Moki tout à l'heure, qui permettent de réguler les chakras, de pouvoir avoir une harmonie, un bien-être, une santé plus tranquille. Là, ils vous en enlèvent de l'énergie. Ils peuvent vous en enlever, parce que dans une autre position, ils peuvent vous en donner. Alors c'est vrai que c'est pas anodin, il y a une question de dosage, mais il y a une question aussi de choix du cristal, vous ne prenez pas n'importe quoi. Il peut avoir, vous entrez dans une magasin de lithothérapie, de cristaux, un cristal qui vous parle, et vous allez l'acheter. Il vous attire, entre guillemets, il y a quelque chose, il y a un échange, il y a une longueur d'onde. Mais est-ce la bonne longueur d'onde? Par exemple, personnellement, je serais attiré par des quartz translucides. Ce n'est pas bon pour moi. Il me faut des quartz floutés et fumés pour que mon ego ne sorte pas trop. Donc c'est important aussi de mettre une relation un peu développement personnel et un peu humaine. Vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi comme cristal. Par exemple, votre grand-mère ou votre arrière-grand-mère vous donne une blague avec un diamant ou une opale. Vous n'allez pas vous la mettre au doigt. Faut la purifier d'abord. Vous savez pas tous. Bon, même si vous savez que ça sort de la famille, mais qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? C'est pas la vôtre. Hein. Il faut la purifier. Toutes les pierres qu'on achète, il faut les purifier. Voilà, effectivement, Simone. Toutes les pierres qu'on achète, il faut les purifier. Je suppose c'est important. Vous pouvez le percevoir, mais c'est dans l'invisible. Mais ça veut dire que ça existe. Vous me suivez ?